pour voir Bayonne. Donc, troisième départ de Bayonne. J'espère que celui-ci sera le bon, puisque les deux premiers ont été abrégés par la crise sanitaire. Donc aujourd'hui, direction Montluçon, que je dois atteindre dans 22 jours. Les conditions météo sont fraîches. Je vais avoir la pluie dans la journée, mais c'est normal, on est au mois de mars. Voilà, donc c'est reparti pour les diagonales. Donc diagonale numéro 7 qui va m'emmener donc de Bayonne, Saint-Jean-de-Marsac, Périgueux, Limoges et Montluçon. Avec un petit passage à Guéret, sans m'arrêter à Guéret, vu que je m'arrête juste après. Voilà. Eh bien, bonne journée à tous et à bientôt. J'avais presque oublié ce que c'était marcher sous la pluie. Si l'an passé, en tout et pour tout, j'ai eu une journée de pluie, ben voilà, aujourd'hui, j'attaque sous la pluie. C'est pas désagréable, si ce n'est qu'il fait un peu frais. Donc on accélère le rythme pour se réchauffer. Allez, fin d'étape, encore quelques kilomètres. Donc, les gens du club de randonnée de Saint-Jean-de-Marsac doivent venir à ma rencontre. Je ne sais pas où je les retrouverai. Donc, comme vous l'avez entendu à l'instant, je marche en bord de route. Bon, une petite route, mais parce que j'ai pas trouvé de chemin pour rejoindre Sobrigue à Saint-Jean. C'est les gens de Saint-Jean de Marsac qui viennent à ma rencontre. Voilà, une quinzaine de personnes, c'est super sympa.